plus en plus Ginny s'abîme. A-t-on donné sans recevoir? Elle dit qu'elle connaît la fin du film. Salut tout le monde, on se retrouve pour l'épisode 12 de Ginny Teenager en compagnie de donc de Steven. Donc salut à toi. Et donc vous pouvez voir les pseudos en haut, donc il y a Ginny, donc c'est nous, Sandrine B, donc je te laisse te présenter. Hey. Ouais, bah donc c'est la cousine de Ginny, voilà, qu'on a créée. Et puis donc c'est Two Rider qui est aux commandes de Sandrine B. Et puis il y a aussi Arminda 54 alias Jérémy, voilà. Donc voilà. Donc la cousine de Ginny participera de temps en temps à des épisodes de Ginny Teenager. Donc regardez, je vais mettre la VFPS, comme ça je te montre un peu mieux. Bah, bouge pas. Donc vous voyez sa tête, la cousine de Ginny. Hop. Ouais, on peut voir là, elle est habillée comme ça, voilà, avec les cheveux roses. Et puis voilà, donc Steven avec son petit masque, donc qui est collector maintenant. Bon bah du coup, on va peut-être commencer la mission, les gars. Ah bah c'est parti, donc vas-y Steven, tu nous invites. Parce que regardez Steven qui est quand même niveau 602. En plus comme par hasard 602, tu sais. Je déteste ce bus. Ouais, et puis, on va vous montrer donc où faut se placer pour faire cette mission là. Donc surtout que toi t'es que niveau 10 et moi niveau 13, donc ça va être chaud. Hein. Bon ça va, on a deux bons gros levels là, il y a niveau 338 et puis 602, donc ça va y aller. Ça ira. Hein. Donc je vais t'inviter dans le crew comme ça ce sera fait. Hop. Donc je sais pas s'il m'a accepté en ami, mais je peux faire directement avec les joueurs comme ça. Donc voilà. C'est parti. Donc moi je fais le plein de munitions les gars. Moi j'ai qu'un pistolet, j'ai pas eu le temps d'aller. Mais du coup tu l'as gardé le sniper ou tu l'as perdu? Ah, c'est une bonne question, tiens. Enfin, je pense au moins t'aurais gardé les accessoires, je pense. Non, je l'ai plus. Mais les accessoires? Les accessoires, bah si j'achète le sniper. Ouais, mais parce que normalement il était équipé, donc en plus nous là on a 561 000 dollars sur Ginny là, donc ça va. Steven, c'est lui qui m'a loupé, Steven. Ouais, c'est lui. Ouais, tout à fait, ouais. C'était lui parce que je connaissais pas tout le monde. Donc dans Arsenal Ambulant, il y a donc un endroit où il faut se placer pour réussir la mission assez facilement. Donc on va vous montrer ça. Donc Greg, tu connais, hein? Ouais, bah oui. Enfin, de toute façon, je pourrais... Voilà, je te suivrai moi aussi. Bah d'accord, on spawn ici. Ouais, bah oui. Donc, tu m'emmènes avec ta voiture. Tu te gourdes de porte à chaque fois. Comme d'habitude, dans cet appart là, j'y arrive pas. Pourtant, c'est le premier appart qui a existé dans GTA Online. Ouais, mais. Ils l'ont eu, t'es trollé. Les gars, par contre, est-ce qu'on est une voiture 4 places, nous? Ouais, t'as la. Ah oui, la petite alligator. Bon, bah, ça ira. Bah, il est où, Steven? Ah, t'es sorti. Moi, je suis dehors, je vous attends. Ah, il a fait, je me casse. Au pire, sinon je peux te laisser conduire et puis tu nous y emmèneras comme ça. Tiens. Moi? Non, Sandrine. Ouais, vas-y, Steven. Bah, ouais, au pire, toi aussi, si tu veux, Steven. Oh, bah, comme tu veux. Ça me dérange pas. Vas-y, conduis. Moi, je ferais. Ouais, ça va changer. Donc là, juste, je monte les petites voitures custom. Hein. Alors, rose et bleu et puis petite voiture en or. Donc, je pense qu'à la fin de l'épisode, on ira tuner notre gauntlet qu'on avait trouvé dans l'épisode 11. Tout à fait, au moins l'assurer, je sais plus si on l'avait. Ouais, je sais même pas, donc je pense qu'on ira au moins déjà faire ça. Puis pourquoi pas la tuner aussi, tant qu'à faire. Alors, de mon côté, je filme aussi, comme ça, si t'as besoin de mes images. Ok, bah je prendrai, ouais, je ferai comme, ok. Et je me suis mis en vue intérieure dans la voiture, ça fait sympa, on vous voit tous, là, c'est... Ok. Voilà. Ouais, Steven aussi, si tu veux, tu peux filmer, hein, pareil. Ouais, on peut mettre faire un épisode multi-vues. Ouais, voilà, pour changer, peut-être qu'on mettra aussi les vues de Steven, qui participe quand même pas mal aux épisodes. Donc d'ailleurs, je vous explique un peu le temps qu'il y a eu. Là, ça fait un peu plus d'une semaine qu'on n'a pas mis l'épisode.
Parce qu'en fait, comme bah, Too The Rider travaillait tard, on n'avait pas le temps de les faire en fait. Ouais. Ce qui commençait à 14h, puis finissait à 22h, et puis voilà. Faut pas oublier qu'on est en train de préparer la série Nucobellic. Aussi, ouais. Voilà, donc on a déjà tourné quelques épisodes qu'on a en stock et qu'on va bientôt mettre en ligne. Tout ça, bah, ça se fait pas en 5 minutes. Hein, ouais. D'ailleurs, faudra qu'on s'occupe de bah, de pas tarder à les mettre, d'ailleurs, ouais. Ah ouais, tout à fait. Donc, on en a déjà un petit peu en stock. Voilà. Donc aussi, on avait déjà expliqué, mais on alternera aussi, il y aura certains épisodes où il y aura Ginny et Nucobellic qui vont se rencontrer dans les épisodes. Que ce soit aventure de Nucobellic ou même les aventures de Ginny, hein, ça va alterner, il y aura un peu les deux. Voilà. Et il y aura la cousine qui viendra se mêler à tout ça. Donc voilà, la cousine qui se trouve là avec sa petite, avec ses petits cheveux roses. Voilà. Alors, attention, ils vont nous tirer dessus. Alors par contre... Hop. Voilà, donc ici nous avons une échelle. Et on monte ici. Alors par contre, ils vont déjà être en train de nous tirer dessus. Tout le monde me laisse monter en dernier, quoi. Oui. Bah c'est pas grave, au moins tu nous vois monter. C'est bien. Par contre, on peut pas se mettre à couvert ici, ça c'est un peu bête ça. Non. On peut se mettre à couvert qu'une fois arrivé en haut. Ouais, c'est ce que je vais faire, mais. Oh, Steven, c'est un fou lui. C'est vrai que ce que j'ai, hein. Est-ce que j'ai un sniper? Ouais, j'ai le petit sniper. Ouais, on va se faire buter, hein. Malgré tout. Ouais, de toute façon, je garderai les meilleures vues pour alterner. Je vais se garder parce que là, je me fais démonter. Oula. Oh non, je vais mourir. Juste, je vais brancher la manette avant qu'elle s'éteigne. Sinon, on va faire game over, là. C'est... ouais. Très très bonne idée, même. Donc la manette, voilà. Par contre, couvrez-moi vite fait les gars, le temps que je fasse ça. Ça y est, mourir. Bah tu sais, moi j'ai qu'un petit flingue, alors pour te couvrir, ça va être très compliqué. Non, bah c'est bon, c'est fait. Par contre, là il y en a un. En plus, moi j'ai pas la lunette améliorée vu que j'ai que le snipe en rafale un peu là. Et le mec, je leur ai mis 3 balles, et ça suffit pas quoi. Alors que justement dans Call of tu leur mets une balle, les mecs ils meurent, tu sais. Avec les snipes, c'est cheaté là-dedans. Bon. Je me rappelle aussi, enfin je sais pas si tu te rappelles au début des épisodes, on se mettait en vue FPS pour les phases de tir. Oui. Et on a un peu abandonné ce truc là, c'est un peu... ouais. Après si tu veux, tu peux toujours le faire. Hein. Voilà, de toute façon on a tué tout le monde, mais je pense qu'on va faire plusieurs missions, donc peut-être la prochaine mission je la ferai en vue FPS. Il y en a plein qui vont arriver là, dès que le canon va être pris, voilà. Bon bah alors c'est bon, je me mets en vue FPS les gars. Ah, ils arrivent. Ça on est encore plus dans l'action là. Dites-nous dans les commentaires si vous préférez la vue FPS pour les phases de tir ou pas. Comme ça, bah, si ça vous plaît, on en fera plus. Et puis si ça vous plaît pas, bon, on se mettra en vue normale comme avant. Donc ce sera à vous de nous dire tout ça. Hop là. Bon. Moi je vais redescendre tranquillement. Pardonnement. On va faire gaffe de pas tomber ici parce que sinon bah, on perd toute la vie d'un coup. Ah, t'étais encore là-haut toi. Ouais. Oui, oui. Ils arrivent de où? Ah, ils sont là-bas, ok, de l'autre côté. Ils étaient. Ah d'accord, j'ai l'endurance qui est tellement basse que. Ah, il y en avait même qui s'étaient plantés là. Voilà, bon bah là on a buté tout le monde. Donc là la petite carabine d'ailleurs, comment ça se... Eh, attends, j'ai... Ouais mais attends, je me pose une petite question, mais... Tim Tam Tam en avait parlé l'autre fois, mais regardez les gars, on a la carabine, alors qu'on n'a pas le level. Ouais, je sais, ouais. C'est parce qu'en fait à Noël, on l'a obtenu en fait. Tiens, je vais monter avec toi Steven.
À Noël, en fait, on a eu la mise à jour spéciale festive là, enfin, l'espèce de petit truc. Et dans les colis, t'avais, enfin dans les, à chaque fois que tu te connectais, tu t'obtenais de celles les tenues, la cagoule spéciale, et puis on a obtenu aussi la carabine. En fait, et du coup, même si t'es niveau 1, tu peux la garder. D'accord. Donc voilà, petite info. Bon, du coup, pour ceux qui pouvaient pas se connecter à cause des hackers là, bah vous l'avez peut-être pas eu. Mais de toute façon elle se débloque, hein. C'est pas non plus une arme ultra rare quoi, mais pour les débuts c'est quand même pas mal de l'avoir parce qu'elle est vraiment très précise et elle tue très rapidement. Parce que je me disais c'est bizarre qu'on l'ait déjà en fait, mais c'est normal en fait. Voilà. Donc là on peut livrer maintenant ou attendre un peu pour avoir plus de. Ou alors, plus d'argent, plus d'RP, donc on va attendre un peu. Hein. Bon bah dans ce cas-là on va faire une petite coupure et puis on se retrouvera après. Ouais, tout à fait. Donc on vous dit à tout de suite pour la fin de la mission, voilà. À tout de suite. Donc re tout le monde pour la fin de, voilà. De la petite mission là. Donc on peut livrer les gars. On va livrer. Hop. On a fait une petite pause pour pas vous que ça dure trop longtemps. Donc voilà, mission réussie. On va toucher pas mal d'argent. Donc la 15 JP, 24 000 $ quoi, pas mal. Et je passe un level. Moi aussi, pareil. Je suis niveau 14 là, c'est pas mal. Bon. Et moi je suis passé niveau 11. Niveau 11, niveau 14. Bon après eux, leur level on n'en parle pas. On fait quoi là? Alors est-ce que tu veux montrer la force? Ah bah ouais, voilà, bah on va faire ça. Alors on va donc en mode donc libre. On va vous montrer une technique pour avoir la force à fond. Voilà. Et aussi le tir, du coup je ferai le tir, pareil. Bah ouais. Par la même occasion d'ailleurs, ça marche. Alors, par contre, c'est une technique à faire, donc Steven il va filmer aussi et je prendrai sa vue pour vous montrer ce qu'il doit faire. Parce que pour cette technique vous devez être minimum 2. Donc un qui fait le bug et un qui fait la force en fait tout simplement. Ou le tir, hein, voilà. Donc Steven, faut que j'aille voir Trevor en plus là. Tu vas voir Trevor avant. Oh, j'irai le voir après. Ouais. Parce que c'est à l'autre bout de la map. Alors que là, on est plus près de l'appart. Mais déjà, il faut que tu vois déjà ton appart à 500 000. Hein. Ouais, bah je vais aller à mon appart là. Donc c'est lequel qu'il faut que j'aille? Tinsel Tower, de toute façon. Il faut déjà qu'on a le map. Est-ce que t'as le Tinsel Tower, Steven? Tu as pété le système là? Bah regarde sur tes GPS et il s'appelle Tinsel Tower là. Ouais, si tu as pété le système, moi je vais. Ok, bah voilà, bah c'est bon, c'est celui-là. Bah, voilà. Tiens d'ailleurs Steven, je peux te tuer vu que t'as une prime, ça me fera de l'RP. Par contre ma prime, vous me la laissez les gars parce que ça me fera de l'RP. Et il va me tuer Steven, t'es sérieux là? Moi j'ai pas ta santé à toi. Hein. T'as failli me tuer mec. Ouais, je veux te faire une esquive. Hein. Bah, moi, ouais, ça a presque monté mon level quoi. C'est abusé. Bon allez, maintenant on va aller à l'appart. Si Steven arrive à monter dans la voiture. J'ai débloqué des maquillages les gars. Okay, ah, kit débloqué, parachute. C'est bon, je peux mettre un parachute. Donc c'est niveau 14 qu'on débloque le parachute. Je le rappelle au cas où. Hein. Comme ça tu sauras que tu pourras faire le fou en parachute au niveau 14. Pas avant. Pas avant. Donc plus là on fait la vidéo juste avant que les braquages sortent. Hein. On est deux jours avant là. La pression. Ouais. Ça se trouve en fait ils ont fait un gros troll, tu sais, c'était il y aura rien du tout. En fait on a mal lu, c'est 2016. Ah ouais, t'sais. Ah bah on s'est gouré d'une année les gars. Mais tout le monde qui ça. Steven il va faire un... il va se suicider. Dans la vraie vie, c'est un vrai hold up. Je peux rentrer direct? Bah non, c'est pas moi. Ah d'accord, mais de toute façon ça marchait pas. Faut que ce soit Greg au volant. Bon au pire je peux rentrer sans ma voiture, ça ira pareil. Ouais. Donc Steven, tu me dis quand t'es dans le bon garage. C'est bon là, je suis dans mon garage, je suis en train de rentrer.
Par contre, ouais, bah je suis dedans là. Donc Steven va filmer. Donc, moi je fais quoi? Bah tu fais rien. Ouais, vous avez pas besoin de moi. Ok, bah moi je vais à ce moment-là je vais aller vendre une. Bah ouais, fais ce que tu veux. Nous en fait on a juste besoin d'être deux pour la méthode. Okay. Donc en fait je vais expliquer la technique, c'est que Steven va m'envoyer. Bah de toute façon je mettrai ta vidéo Steven. Donc regardez bien. Ah bah filme bien, voilà. Donc là regardez, regardez. Steven m'a envoyé un message, ça me fait invalide. Donc je vais te réinviter d'ailleurs, ouais, t'as raison. Et tous mes véhicules ont disparu. J'ai plus du tout de voiture dans mon garage. Non mais ça c'est à cause du bug mais. Et du coup bah maintenant voilà j'ai perdu toutes mes voitures. C'est pas vrai en fait. Là aussi on peut rentrer dans tous les bâtiments aussi, bah pas tous les bâtiments mais presque tous les bâtiments du solo. Ouais, une peu la plupart. Moi pendant ce temps là je vais me faire 8000 dollars. Mais nous ce bug là on va juste s'en servir pour faire notre force et notre tir. Donc ouais. Alors ce que je vais faire c'est que je vais vous montrer un peu. Ouais, je vais vous montrer un peu comment on fait au début et puis on fera une coupure pour pas que ce soit trop long. Je vais aller chercher une voiture qui coûte plus cher. Ah, je disais. Je vais faire une coupure pour pas que ce soit trop long, tu vois. Ouais, bien sûr. Donc je montre juste au début. Donc là vous pouvez voir, hein, je peux carrément tirer dans l'appart hein, mais vu que j'ai pas trop de munitions, je vais économiser un peu. Donc, non, mais tes balles sont limitées, tu vois pas? Ouais, non, mais enfin illimité oui, mais le problème c'est que j'en ai que 300 en stock. Tu vois, quand je tire, j'en perds une quand même. Ouais, mais justement, et quand en fait t'auras tiré le bug, t'auras toujours tes 300 balles. Ouais, ça je sais. Mais pour faire le tir à fond, ça, je sais pas si j'aurai assez de munitions, c'est ça que je veux dire. C'est bon, tu me vois dans. Ah ouais, je te vois. Là, regardez, je peux lui tirer dessus, mais lui il est immortel. Hein. C'est un god mode pour lui. Hein, regardez, je peux lui tirer dans la tête, faire ce que je veux. Donc la force en fait, ça consiste tout simplement à le tabasser. Hein, on appuie sur rond, on le spam. Donc vous allez voir, il se téléporte un peu, mais c'est un vrai bug. Hein, c'est. Donc la force, je vais vous montrer là, regardez là où on en est. Je vais juste montrer, je vais monter un carré juste pour vous montrer, puis après je ferai tout le reste. Donc regardez bien. Donc là Steven, il peut même danser, hein, il peut faire tout ce qu'il veut en attendant. De son côté, en fait, lui, il se passe juste rien. Il est là, dans son garage tranquille. Et quand je lui tire dessus, il voit du sang qui gicle de son corps, mais c'est tout. C'est complètement buggé ça. Là, je vais vous montrer, je vais laisser la force pour qu'on la voit. Donc le tir, hein, pareil, le tir c'est comme ça, hop, on tire. Regardez, normalement là il peut pas mourir, hein. C'est headshot avec un fusil à pompe à cette distance, normalement le mec il meurt direct. Mais non. Et que avec les coups de crosse et les explosifs que je peux mourir. Ouais, si par exemple je le tue au lance-roquette, là il va mourir tout de suite. Si je le tue avec une grenade ou une bombe, voilà, ça va le tuer. Mais si je fais que de tirer dessus, ça va rien faire. Là je vous montre, hein. Donc la technique, bah, c'est tout simplement de faire ça. Hein, vous faites ça pendant, ouais, je sais pas combien de temps, mais je vous dirai quand j'aurai fini. Je vous dirai quand j'aurai fini la méthode, combien de temps ça nous aura fait. Donc moi, je vous dis à tout à l'heure pour la suite de l'épisode. À tout de suite. Donc là, vous pouvez voir, hein, j'ai bientôt fait 80%, donc je continue. Donc là, je vais essayer de faire les 80% en vous montrant directement. Et puis je ferai une petite coupure et puis on se retrouvera dès que la force sera montée à 100%. Donc ça va relativement vite. Mais faut. Enfin, vu qu'on est parti de zéro, là on est dessus depuis peut-être une demi-heure. Mais si vous faites ça normalement avec les PNJ, c'est super long quoi. En trois quarts d'heure, c'est bon. Donc ouais, on va dire si vous prenez votre temps, c'est une heure. Et puis si vous vraiment vous spammez à mort la touche et qu'il n'y a pas de fail en tuant votre pote ou en vous tuant vous-même et que vous buguez, ça peut aller très très vite. Hein. Parce qu'en fait, avec cette technique, si vous mourrez vous, vous êtes bugué, donc vous devez redémarrer le jeu. Et si vous tuez votre pote, bah faut qu'il retourne dans son garage, donc c'est un peu chiant. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est de juste spammer la touche rond et puis de le tabasser. Hein, regardez, là je fais que ça. Donc là, je vais juste vous montrer, mais j'ai plus du tout de munitions. Donc j'ai déjà commencé le tir, donc j'ai monté à 20%. Et si je le tue, enfin si je tire avec ça, ça va le tuer direct. Et si je tire, si j'envoie une bombe, c'est pareil. Donc là, je fais que de le taper. Là, la force, hein, va passer à 80%. Non, pas très longtemps, là. Donc, juste avant de finir la technique, une fois que votre force, elle est montée à fond et que votre tir, c'est pareil. Donc là, le tir, je pourrais pas le faire parce que j'ai plus de munitions. Mais je continuerai plus tard. Et puis, ça se fait avec les missions, de toute façon. Le plus dur, c'est surtout la force, en fait. Hein. Donc juste pour quitter en fait, vous faudra aller dans le solo pour éviter de redémarrer la console. Parce que si vous voulez lancer une activité par exemple, ça va vous faire bugger et vous devrez redémarrer le jeu. Donc voilà.
Donc hop là. Donc là on est bientôt à 80% là. J'aimerais bien que ça se passe directement là. Donc là on entend que t'es en train de faire une mission là. Oui. Tiens bah voilà, regarde, la force elle est à 80% là. Donc on se retrouve tout à l'heure dès que la force est à fond. Donc je vous dis à tout de suite. Allez, salut. Donc là vous pouvez voir que je viens d'avoir ma force à 100%, ça y est, c'est bon. Donc voilà, maintenant j'ai fini de monter ma force à fond. Le tir je peux pas faire plus parce que j'ai plus du tout de munitions. Et donc là je vais juste vous montrer qu'on peut s'entretuer. Donc Steven, je vais te tuer pour montrer. Non. Es-tu prêt à succomber? Non. Non. Arrête de tourner par contre. What the fuck? Hey, oh cul. Et voilà comment tuer son pote dans son propre garage. Donc les gars, je vais quitter pour donc voilà la technique. Ouais, la vidéo là, puis on se donne rendez-vous pour le prochain épisode. Donc juste avant que l'épisode soit fini, je vais vous montrer pour pas bugger quand vous faites cette méthode de quitter comme ça. Vous allez dans le solo et hop, vous faites oui, hop. Et du coup, ça va vous déconnecter de la session, mais de manière normale. Donc là, je vais me retrouver en solo. Et puis bah, je pense qu'on peut s'arrêter là pour l'épisode. Hein. Voilà, le prochain épisode, on montrera aussi comment maquiller Jenny pour qu'elle soit super belle. Donc juste, je vais retourner dans le multi, vous montrer que ça a bien marché, hein, pour que vous ayez la preuve que c'est pas du fake. Et puis bah, ouais, bah non, je fais une session vite faite de toute façon, parce qu'après je vais arrêter la vidéo. Donc je peux, ça sert à rien que je te rejoigne tout de suite. Donc en tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. Hein. Donc il aura mis un peu de temps à venir, je suis désolé pour ça, hein, mais on n'avait pas forcément le temps. Puis il y a aussi Nico Billy qui va arriver, tout ça, enfin voilà. On a pas mal de projets à ce niveau-là. Ah bah j'ai reçu ta mission. Donc voilà. Tu peux rejoindre si tu veux. Hein. Ah bah j'ai une récompense tueur en série, tiens, sans RP. Bon bah pourquoi pas. Donc je vais vous montrer, donc là elle faisait sa douche. Et regardez ma force, elle est à 100%, voilà. Hein, ça a bien marché la technique. Et là maintenant, bah, je suis en mode normal, hein. La carte est revenue. Et je vais vous montrer que mon garage, j'ai gardé toutes mes voitures de tout à l'heure. En tout cas, bah, je pense que l'épisode il aura duré un petit moment quand même. Surtout que il y aura des visions un peu de tout le monde. Donc il y aura la cousine de Ginny avec sa petite vision. Et puis Steven. Voilà. Donc là, vous voyez le garage. Ah, juste, j'avais dit qu'on tunerait la gauntlet, on avait dit. Du coup. Ben, comme tu veux. Moi, je vais la tuner. Et puis, on va s'arrêter là-dessus. Donc, la couleur, je la change pas vu que c'est une couleur custom. Ouais, et puis. Tu changes pas les amortisseurs parce qu'elle doit être déjà rabaissée, je pense. Bah je vais juste tuner avec la plaque déjà, je vais mettre un peu ce qu'on peut. La plaque, tu la veux quelle couleur la plaque? Bah tu la mets bleue, c'est une muscle car. Ok. Donc on va bientôt se quitter sur cet épisode, hein. C'est juste le petit tuning vite fait. Donc dans le prochain épisode, qu'est-ce qu'on fera? Qu'on fasse un petit programme. Alors maquillage, on montrer un peu comment bien maquiller son perso. Et on va montrer comment avoir la voiture avec les guitares. Je pense que ça va en intéresser plus d'un. Ah oui, t'as raison, les suspensions se sont rabaissées. Donc oui, je pense que ça va plaire. Donc juste, je vais mettre le moteur niveau 1, je le mets ou pas? Si tu veux, mais ça sert pas à grand chose en fait. Bon, ah bah non alors. Donc la peinture, on a dit qu'on laissait comme ça. Franchement, la belle peinture, hein. Ouais, pareil, les carreaux tu touches pas, les pneus, les roues, je pense qu'elles sont déjà... La bande rouge, je la laisse ou... Parce que en fait, c'est la couleur bleue qui est perlée, mais le rouge, je la laisse comme ça ou je change? À ce moment-là, la bande, t'as qu'à mettre noir mat. Alors, noir mat... Mat, c'est ici. Ah, du coup, ça fait noir mat, mais avec un reflet rouge. C'est du noir nacré qu'il y a dessus, carrément. What the fuck. Ouais. Et les jantes, je les mets en quelle couleur? Elles sont rouges, là.
mets-les en noir, ça ira avec la bande, ça fera un rappel. Donc on va mettre les petits trous, enfin la couleur. Donc je mets les pneus custom hein, avec les petits trucs diagraphiques, c'est pas mal. Donc prévention perte et vol. Et bah il y avait pas d'assurance, donc voilà, c'est fait. Les fenêtres, bah sont fumées claires. Bah ouais, c'est bon. Donc notre petite gantelette, on a ouais. Déjà, la gantelette, je crois qu'elle était déjà fumée. Les vitres. Non, elles sont fumées de base, le premier qu'on a. Donc je pense que c'était... Ah, j'ai pas mis de néon, hein, parce que ça sert à rien. Ça coûte cher. Donc, bah les belles notes bagnoles comme ça, j'ai mis le petit emblème du croc qui était gratuit. Hein. Si on veut, on pourra l'enlever. J'ai oublié de mettre la plaque par contre. Je vais faire ça vite fait. Donc la petite plaque Gini personnalisée. Donc jamais, si jamais vous savez pas comment faire la plaque personnalisée, vous me le dites par commentaire, je pourrais faire une vidéo dessus exprès. Hein. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Alors plaque, c'est où? Ah, c'est là. Ah bah. En fait, on l'a pas sur ce perso-là. Faudra que je le fasse. Ok, bah rejoins la mission, là, vite fait. Pourquoi? Mais on filmera pas. Bah, histoire de faire un peu d'argent. Bon bah du coup, on va se laisser là pour l'épisode de Gini. Je rejoins qui parce que j'ai deux invitations pour Vol d'Info. Vous êtes ensemble avec Steven? Ouais, on est ensemble. Ok. Bon bah je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode de Gini Teenager. Et puis on se retrouve pour Nico Bellic aussi, hein, faut pas oublier. Tout à fait. À plus tard. Allez, salut tout le monde. Salut.